Eh, ça fait longtemps. Vous connaissez l'homo economicus? Cette figure désigne en économie un individu qui ne va faire que des bons choix avec son argent. Il est tellement bien informé que ça relève presque du 6e sens prémonitoire. Évidemment, ça reste une théorie qui n'existe pas dans la réalité, mais ayant fait des études de management, je connais bien tous les subterfuges utilisés par les entreprises pour pousser à la consommation. Fear of missing out, prix psychologique, différenciation retardée, ou encore toutes les saloperies de la psychosociale, sans oublier bien sûr la reprogrammation hormonale qu'opèrent les réseaux sociaux sur nos cerveaux. Bon, en gros, au lieu d'acheter du PQ Lotus fraîcheur du matin, je prends des rouleaux double épaisseur No Name Casino et je fais passer ça pour un acte militant, quoi. Par contre, s'il y a un marché sur lequel je me fais inlassablement bananer par la publicité, c'est bien celui des produits culturels. Depuis que je suis petit, j'essaie d'être toujours en avance au cinéma pour pouvoir mater les bandes annonces au KLM. Alors que non seulement ça veut dire que je suis obligé de me farcir les spots genre pour Magnum ou les Haribo qui t'arrivent dans la gueule, wow, esquive! Mais aussi que fondamentalement les bandes annonces, bah ça reste de la pub. Alors pourquoi non seulement je me les inflige, mais en plus j'y prends plaisir? La différence, c'est le produit pour lequel la promotion est faite. C'est ça qui change toute la donne. Il y a quelques semaines, une toute nouvelle marque de crème glacée a débarqué au rayon surgelé. Nuii, qui veut dire générosité en maori. Déjà, normalement, un mot dans une langue polynésienne pour décrire une putain de glace, vous devriez sentir arriver la douille là. Si je vous dis en plus que son slogan est Ice Cream Adventure, ou l'aventure glacée en français, là, votre main commence à dangereusement se rapprocher de votre portefeuille. Et si pour finir, je vous montre le support visuel du marketing, alors là, c'est festival. Il y a un loup blanc sauvage pour représenter le chocolat blanc, un ours brun des montagnes du Canada qui évoque le sirop d'érable, un pigargue qui vole fièrement au-dessus de la rivière Saumon en Idaho. Et elles sont très bonnes leurs glaces, hein, mais Nuii ne compte pas les vendre en se basant uniquement sur la qualité de leurs produits. Leur marché se situe directement dans votre cerveau. Quand vous voulez acheter des bâtonnets glacés, vous allez prendre soit des Magnum parce qu'ils sont bons et reconnus, soit la marque de distributeur du magasin parce qu'ils sont pas chers et que vous êtes pauvre. Si, ne rébéquez pas, vous êtes pauvre. Nuii a décidé d'infiltrer le marché autrement que par le paramètre du prix ou même du goût. Elle propose une forme d'expérience à ses clients. Maintenant, imaginez ce concept publicitaire appliqué à un produit culturel interactif, tiré d'un média pour lequel vous avez déjà un énorme capital sympathie, qui décrit un univers passionnant, centré autour de personnages attachants, le tout agrémenté de superbes musiques. Et vous obtenez les trailers de jeux vidéo. L'avantage des bandes annonces dans la culture par rapport à une simple publicité, c'est que vos sens sont vraiment stimulés et votre curiosité inévitablement piquée. Tout est fait pour que votre intérêt soit suscité. Les cœurs qui s'emballent, des héros mis dans une situation a priori désespérée, un montage vidéo ultra dynamique pour ne pas perdre votre attention. Je vous mettrai des liens dans la description, dont un qui explique comment faire une bande-annonce de blockbuster et c'est un régal. A vrai dire, ce qui fait fondamentalement la différence entre un paquet de biscuits et un trailer, c'est son caractère épique. Au paquet de biscuits, hein. Dans cette époque terne et anomique, si on arrive à provoquer chez le spectateur une sensation qui le prend aux tripes, à lui faire ressentir quelque chose de fort qui va transcender son quotidien maussade pour le sortir ne serait-ce que quelques minutes de sa torpeur dépressive, alors on a tout gagné. C'est comme ça que fonctionnent les trailers. Même si WoW est le MMORPG auquel j'ai le plus joué, mon cœur appartient quand même à Guild Wars. Je vais pas m'étendre dessus parce qu'il mériterait aisément une vidéo nostalgie. Dans mes rêves d'enfant les plus fous, j'imaginais pas du haut de ma PS1 qu'il pouvait exister sur PC des jeux en ligne où à n'importe quel moment du jour ou de la nuit tu puisses partir explorer de gigantesques univers virtuels. Le tout en compagnie de tes amis pour forger ta propre légende avec un personnage créé de toutes pièces. Alors quand j'ai découvert que c'était possible, mon cerveau a vrillé et j'y ai joué inlassablement pendant plusieurs années jusqu'à m'enlacer autour de 2009. J'avais à l'époque dans ma bibliothèque un numéro de Joystick, RIP, qui donnait des premières infos sur la suite de Guild Wars. La perspective de pouvoir un jour avoir entre les mains une suite améliorée en tout point, qui s'inspirait plus d'un univers persistant comme celui de World of Warcraft, me faisait frétiller le sifflet. Cette expression est open source, vous pouvez la réutiliser à loisir. Inutile de dire qu'en 2009, quand le trailer des races jouables est sorti, j'étais extatique. L'attente m'était insupportable et j'avais même déjà en tête le RP de mon futur personnage qui était la descendante de mon main sur Guild Wars 1. En d'autres termes, j'étais hypé comme Jaja. Je me rappelle même des dialogues, quoi. You're about to know adversary. With the clamor of anvils and the thunder of guns, we rip each day from life's teeth. Our strength will shake the foundations of the world. J'adore ce trailer, bordel. Avance rapide de 3 ans et nous voilà en 2012 au temps de la sortie. Ma copie du jeu était précommandée depuis des mois, j'avais 3 jours d'early access, tous mes potes étaient déter après que je me sois chargé de la hyper à mon tour, et là, c'est le drame. impossible de me connecter pendant la plus grosse partie de l'accès anticipé, le personnage que j'avais passé presque 2 heures à perfectionner dans les moindres détails, perdu dans les méandres de l'univers, un monde contre monde complètement pété et hyper ennuyeux à base de zergigs décérébrés. Là je fais que gratter la surface, hein, mais on pourrait aussi parler de l'histoire vivante soporifique et du contenu endgame inexistant à base de fractales, mais aussi de fractales. C'est simple, j'étais parfaitement dégoûté et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé mon processus de désenchantement du jeu vidéo. La hype ne connaît pas qu'une seule définition. Au-delà du grand niveau d'excitation et d'impatience, on peut aussi qualifier la hype du différentiel entre les attentes et la réalité. Il y en a beaucoup qui m'ont dit sur la vidéo de WoW classique de lui donner une seconde chance, et du coup je l'ai retéléchargé histoire de voir comment le jeu s'est amélioré depuis, mais la déception a été initialement si amère que je ne sais pas si j'aurai en moi la force de le pardonner. En tout cas, ma hype n'a pas été récompensée, mais pire que ça, elle a peut-être été le facteur qui m'a poussé à me focaliser sur tous les éléments négatifs. Pour rester dans le domaine du MMO, je tire mon chapeau à Blizzard qui est très fort pour capitaliser sur la hype qu'il crée lui-même de toutes pièces avec leurs magnifiques trailers. Defenders of Azeroth, behold what the future has in store for you all. Le reveal de Cataclysme à la BlizzCon 2009 me vient à l'esprit. Tout y est. La mise en scène est excellente avec la narration du frérot Chris Metzen, on croule sous les nouvelles features et éléments de gameplay, il y a de très bonnes musiques, notamment pour introduire les nouvelles races qui se retrouvent un peu malgré elles mêlées au conflit. On sent que tout a changé en Azeroth et que la bataille entre la Horde et l'Alliance est de nouveau au centre du jeu. Et là, pour le coup, j'ai vraiment pas été déçu. Je me suis éclaté sur Cataclysme pendant des mois et je considère encore aujourd'hui que c'est la meilleure extension de WoW. Dans ce cas, la hype a donc bien produit l'effet escompté par le développeur, mais c'est loin d'être le cas à chaque fois. Aion, un MMO auquel j'ai aussi beaucoup joué et pour lequel j'ai une certaine sympathie. En 2009, alors que le jeu venait à peine de sortir, NCSoft publie le trailer Aion Vision, censé représenter ce que serait le futur du titre. S'il y avait des raisons d'être bouillant avec ce qu'on nous a mis sous les yeux, la réalité est aujourd'hui quelque peu différente. 10 ans après, vous ne pouvez toujours pas nager dans Aion. Il y a de l'eau, il y a des maillots de bain, je peux même m'abriter sous un nénuphar quand il pleut. Mais je ne peux toujours pas nager, pas vrai NCSoft? Pourquoi je peux pas nager? Je pouvais pas finir cette vidéo sans parler des meilleurs pour instrumentaliser la hype à de mauvaises fins, les indépendants avec leurs jeux en early access. Pour appâter le chaland, les développeurs nous arrosent de vidéos toutes plus chatoyantes les unes que les autres, promettant monts et merveilles de faire les choses différemment cette fois, d'avoir une roadmap solide et de travailler d'arrache-pied sur le jeu 7 jours sur 7, et même d'arrêter de se nourrir s'il le faut. Sans déconner, je déteste ces trucs. J'ai perdu tellement d'argent à soutenir des projets avortés en cours de route, sortis à moitié terminés, ou qui se sont juste avérés être de purs boosts vidéoludiques. Alors qu'ils étaient à mes yeux le nouvel espoir du jeu vidéo, les indies ont perdu ma confiance. Trop souvent on a eu droit aux prototypes sur Unity faits avec des assets glanés à droite à gauche, une vidéo impeccable qui laisse présager un avenir radieux, quand les mecs se barrent en fait avec la caisse une fois qu'ils ont réalisé que la vie c'était pas un kiwi et que créer un jeu c'était pas pour tout le monde. C'est sans appel. Le seul titre avec lequel j'ai été ravi de mon achat, c'est Minecraft. Je me l'étais pris fin 2011 pour 10 €. Il était déjà super complet, stable, régulièrement mis à jour, bref, une super affaire. À côté de ça, on a Seven Days to Die en alpha depuis 6 ans sans sortie de l'accès anticipé à l'horizon. D'ailleurs, j'en profite pour adresser toutes mes excuses à mon meilleur pote à qui j'ai fait acheter cette daube, je peine à me regarder dans un miroir depuis. Mais après, c'est peut-être parce que je suis un vampire aussi. Realm Explorer. Ah, Realm Explorer, les 10 € que je ne reverrai jamais. Petit studio indépendant à Las Vegas, plein de bonne volonté, ils voulaient faire un sandbox avec des graphismes next-gen, des éléments de RPG sur des serveurs massivement multijoueurs. Génial! Hein, quoi? Tenez-vous prêt pour la sortie de Realm Explorer? Ah super! Si seulement ce message n'avait pas 5 ans et que rien ne s'était passé depuis. Atlas, j'ai fait une vidéo dessus, ils sont vraiment très doués pour inventer un jeu qu'ils sont pas capables de réaliser. Miscreated. Pareil, depuis 2017, le jeu stagne et je me demande s'il sortira un jour en bonne et due forme. Il paraît que Project Zomboid s'en est plutôt pas mal sorti, mais depuis le temps j'ai abandonné, donc je sais pas. The War Z, alors lui c'est pépite, un jeu de survival zombie fait par le même type qui a développé Big Riggs, le fameux Sergei Titov. Je m'en souviens encore à l'époque dans les commentaires YouTube, il y avait même des mecs qui voulaient s'organiser pour trouver son adresse, aller lui casser les jambes ou le foutre en prison tellement il avait arnaqué toute la planète. Enfin bref, voilà ce que je pense de la hype et du marketing appliqué aux jeux vidéo. Bien trop souvent, on nous vend l'image d'un produit qui n'existera peut-être jamais, ou du moins pas dans sa forme idéale. Donc je vous conseille de boycotter systématiquement les early access et aussi les précommandes à part pour les titres dont vous êtes absolument certain de la future qualité. Après, d'un autre côté, c'est dommage de plus se sentir impatient pour les futures sorties, donc je vous conseille d'adopter la méthode de l'émerveillement prudent. De mon côté, c'est terminé, plus jamais je me ferai avoir par ces pratiques commerciales douteuses et céder à un nouveau MMORPG sandbox orienté action. Tu peux créer ta propre base de guilde avec un château géré collectivement. Oh là là, je signe où ?